Rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, divorce consommé. Vincent Karega est sommé de quitter Kinshasa dans les 48 heures. Le gouvernement congolais lui reproche d'être de mèche avec les terroristes du M23. À suivre encore dans ce journal, Fally Ipupa, son concert produit à Kinshasa dernier au Stade des Martyrs week-end, a tourné au drame. 11 morts, plusieurs victimes réclament la justice. Merci de suivre Congo France Télévisions. Nous sommes en direct de Kinshasa. Bienvenue dans ce journal. Compte rendu du gouvernement, c'était au cœur des discussions, l'insécurité à l'est des villes de Kinshasa, où plusieurs autorités ont lancé un message pour signifier la situation insécuritaire à l'est de la République du Congo. Suivez ce conseil qui a été donné par Patrick Mouyaya. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce samedi 29 octobre 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense. Il a été question de faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée particulièrement par une série d'attaques et l'occupation de quelques localités congolaise dans les territoires de Rutshuru par le M23 appuyé par l'armée rwandaise. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Restons toujours dans cette communication du gouvernement congolais qui a donné 48 heures à l'ambassadeur rwandais de quitter les sols congolais, suivez les précisions avec le porte-parole du gouvernement Patrick. Au regard de faits qui précèdent, les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux, exigeant unanimement la cessation des activités terroristes du M23 et de tout appui extérieur à lui, son retrait sans délai ni condition des localités congolaises occupées et les retours immédiats des populations déplacées. 2. D'envoyer en toute urgence une mission humanitaire pour porter une assistance à nos populations déplacées à la suite de ces attaques. 3. De prendre de nouvelles mesures supplémentaires de restriction d'accès au territoire congolais à l'encontre du Rwanda. 4. D'accroître la force de frappe des forces armées et des sécurités. 5. De réaffirmer la volonté de la République démocratique du Congo de rester engagée dans les processus de paix de Nairobi et de Luanda en vue de restaurer durablement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région du Grand Lac. En réaction avec l'expulsion de l'ambassadeur rwandais sur les sols congolais, nous avons donné le micro aux membres de l'opposition qui fustige une décision très tardive de la part du gouvernement de la RDC. Suivez ce qui a été dit au cours de notre rédaction.
Pourquoi cette léthargie? Ils attendaient qu'on puisse prendre seulement nos localités pour faire la rupture. C'est vraiment regrettable avec ce gouvernement. Donc le gouvernement réagit toujours après. Pourquoi? Mais je pense que c'est pas notre parti politique seulement qui avait réagi, c'est toute la population de la République qui avait demandé d'en finir avec le Rwanda. Mais le gouvernement de Félix Tshisekedi n'avait pas voulu. Voilà, maintenant il y a des conséquences et par manque de prudence, aujourd'hui on vient nous dire que non, nous donnons 48 heures à M. Karega. Moi je pense que ça c'est l'échec du gouvernement Tshilegelu. Ils ont montré qu'ils sont des faibles, ils sont des incompétents. Ils ont montré qu'il y a l'amateurisme au sommet de l'État pour que le gouvernement donne les moyens aux FRDC. Et quand les FRDC vont commencer les combats, et avec l'appui de la population, vous allez voir que nous allons récupérer nos localités. Changeons de chapitre pour parler de la remise et reprise au Conseil national de la défense devant plusieurs autorités civiles et militaires et ceux qui ont succédé au poste se disent très satisfaits de la fonction qui sera occupée par le pays. Suivez, c'est rien. Le général Lukukwila Marcel, élevé au grade du général-major, est nommé par le président de la République comme secrétaire général à la Défense, a repris son poste ce vendredi 28 octobre 2022. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le lieutenant-général Kahumbu Yankole Isidore, admis à la retraite. Cette cérémonie s'est déroulée au secrétariat général, à la Défense, en présence du directeur du cabinet, du ministre de la Défense nationale, le général-major Mbiato Konzoli Emé, représentant Son Excellence Gilbert Kabanda Kurenga d'Assomo. Le général Lukukwila a demandé à ses collaborateurs de se serrer les coudes pour un travail consensueux et objectif. Il a également exprimé son sentiment de fierté de remplacer à ses postes son confrère avec qui ils ont partagé des moments dans leur carrière. Pour sa part, le lieutenant-général Kahumbu a exprimé sa gratitude à ceux qui l'ont accompagné à l'exercice de ses fonctions. Je suis heureux de vous recevoir avec tous les collaborateurs avec qui j'ai partagé le travail pendant les 2 ans que je viens d'accomplir à la tête du secrétaire général de la Défense. Comme il est de coutume, et c'est la loi de la nature, toute chose, il faut considérer la fin. Nous avons vécu et sommes arrivés aussi à la fin. Nous glorifions d'abord le Seigneur Dieu qui a fait que nous puissions arriver à ces jours vivants avec énergie et de pouvoir quitter la carrière honorablement. La cérémonie s'est clôturée par une séance de prise de photos souvenirs. Parlons CENI à présent, lancement des cadres de concertation GER Inclusion au niveau national. Et à cette occasion, le premier vice-président de cette institution a rassuré à la population congolaise la tenue des élections d'ici à 2023. Suivez dans ces propos recueillis par votre rédaction. Dans toutes les opérations, que la prise en compte du genre et inclusion soit devise. C'est la raison de ma joie de vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue au nom du président de la CENI et vous souhaiter une attention soutenue pendant le déroulement des différentes étapes de notre journée. Encore une fois, soyez la bienvenue. Merci pour votre meilleure attention. La CENI est résolument engagée à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission légale qui lui est confiée, celle d'organiser en toute transparence, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques, transparents et apaisés. Pour parvenir, la CENI a développé des outils essentiels à savoir la feuille de route du processus électoral 2021-2027, publiée le 3 février 2022. Ce document public, accessible à tous,
retrace de manière claire et séquentielle la périodicité d'exécution des opérations pendant la période préélectorale, électorale et même post-électorale. Cependant, force est de constater que cet outil de gestion électorale est de moins en moins exploité par les partenaires, pourtant contenant des informations électorales utiles et quasi complètes. En outre, pour améliorer la présence des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap au sein de l'institution CENI, notre centrale électorale a pris la résolution de recruter de manière préférentielle cette catégorie des Congolaises et Congolais lorsqu'elles présentent les mêmes compétences que les autres, c'est-à-dire aux compétences égales entre un homme et une femme, entre un vieux et un jeune, ou entre une personne valide et une personne vivant avec handicap, c'est la catégorie marginalisée qui est recrutée. Parlons politique à présent, avec une forte délégation devant le Palais du Peuple. Plusieurs militants du parti politique cher à l'honorable Mboso Nkodia sont venus soutenir les efforts fournis par le gouvernement Samalo Kondé. Écoutez les reportages réalisés par Noëlla Boulou. Devant le Palais du Peuple, ce vendredi 28 octobre 2022, l'homme aux actions concrètes, Christian Kadisa Bakisele Mobutu, fédéral du parti cher à l'honorable Mboso Kodia, était présent avec une forte mobilisation de sa base Ngiringiri Kouyaté pour saluer les efforts abattis par le gouvernement Sambalou Kondé pour le projet de loi des finances de l'exercice 2023. Sous l'appel, il y a Christian Kadisa, le fédéral, Ngiringiri à la fédération phare, il y a CRD à travers la République. Qui s'est dit sa félicitation pour la mobilisation? Bah, il s'est dit en tant que Bakongomani, bah, il y a pas un projet de loi et aller traiter et pas y député. Il faut qu'on note que bah, avancer et salami, na niveau, il y a budget, gouvernement, il faut améliorer la situation et bah, y Kongomani. En tout cas, félicitations les choses qui sont dit ça. Na nenga memi balangiringi po ba ya komona bango moko. Nenga ni balobeli na bango bali ko sala musala na niveau ya Palais du Peuple. Merci. Pingiringi pesa liawa. Force ya président Christian Kadisa. Et puis, oh, c'est important d'abord pour la République démocratique du Congo. Et ça d'abord, tu es soutenu aux alliés adoption, aux présentation, il y a exercice, il y a budget à 2023. Tout le monde que le budget vraiment est poussé à une macassie et comme à 14 milliards. Signalons que le parti cher à l'honorable Mboso Kodia à travers son fédéral Christian Kadisa et sa base d'Ngiringiri s'active déjà au grand jour qui est de donner une majorité écrasante au président Félix lors des élections de 2023. Parlons culture à présent. Le concert musical de l'artiste et musicien Fally Ipupa au stade des Martyrs s'est tourné au drame. 11 morts et plusieurs blessés. Finalement, les familles des victimes réclament la justice. Retour de l'événement avec Claudiane Liboula. L'aigle qui a survolé le stade des Martyrs n'est pas passé inaperçu. 11 morts enregistrés après le concert historique de Fally Ipupa du 29 octobre 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Suite à des bousculades, la production tant entendue a tourné au drame. Selon le vice-premier ministre de l'Intérieur, dépêché sur place Daniel Asselo, incriminé l'organisateur et annonce des poursuites judiciaires. Ce qui s'est passé est les conséquences du comportement de l'organisateur qui n'a pas respecté les consignes sur le nombre de personnes qui devraient accéder au stade qui a provoqué des étouffements selon la population. Pour sa part, le général Silvano Kasongo avait rassuré quelques jours plus tôt que la disposition était prise pour sécuriser les milliers de fans venus de partout. Malheureusement, cela n'a pas empêché ces désastres. À noter que il y avait tellement la pression de la foule, mais la police était là pour sécuriser la pelouse du stade, la tribune de VIP et le podium sur lequel s'est produit Fally Ipupa. Cette bousculade est arrivée au stade après plusieurs heures de son entrée prévue alors que le stade était rempli avant 16 heures. Ce concert du 29 octobre reste vraiment historique. Ces
C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, divorce consommé. Karega est sommé de quitter le sol congolais dans les 48 heures. Le gouvernement congolais lui reproche d'être de mèche avec les mouvements terroristes du M23. Fally Ipupa, son concert s'est produit à Kinshasa au stade des Martyrs le week-end dernier, a tourné au drame. 11 morts et plusieurs blessés. Les familles des victimes réclament justice. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Congo France Télévisions. Thank you.